Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale, vidéo que j'attendais de faire depuis très très longtemps. Ce qu'on va faire concrètement, c'est qu'on va vendre les items PVP, quasiment tous mes items PVP. Je les ai rassemblés ici, il y en a pour 1,1 milliard d'estimés. Alors bon, il y a quelques trucs en vrac, hein, mais globalement, c'est une majorité de mes items PVP que j'ai accumulés sur mes différents modes colis que j'ai joué ces dernières années. Et en gros, je vous fais un peu le topo. Globalement, ce qui se passe, c'est que maintenant le PVP, le vrai PVP sérieux, se fait plutôt sur le serveur tournoi en KTA. La majorité des gros rivaux que j'ai pu avoir en Coliseum ces dernières années maintenant ne font plus de colis. Ils sont tous partis en tournoi, ils sont compétiteurs, etc. etc. Donc, bah, en fait, le colis c'est devenu un peu problématique. Il y a deux choses qui me dérangent particulièrement dedans, c'est l'absence de monture légendaire qui fait que ça déséquilibre le panel de choix entre Montilier, Familier et Monture, alors qu'il y a plein de modes hyper intéressants à jouer en Volcorn. Ou autre, et ça me rend un peu fou, ça me trigger depuis que les familles légendaires sont sorties. Et deuxième problème, c'est que je joue mes trois comptes en même temps, et les phases de préparation de combat sont beaucoup beaucoup trop courtes pour adapter à la fois son placement, son initiative, ses modes, ses variantes de sort, ses esquives, ces choses comme ça. En fait, y a trop de choses à gérer, on a 30 secondes à tout casser en début de colis, là. Sur trois comptes, c'est juste ingérable en fait. Et quand on prend le goût, parce que là, ça fait un peu plus d'un an que maintenant que je fais le KTA, j'ai fait tous les tournois KTA et que j'ai pris le goût en fait d'avoir des vrais matchs préparés où je peux prendre le temps de me poser, de prendre les bonnes variantes, de réfléchir à ce que je veux sur les matchs. Ça me rend le colis trop fade en fait. Il y a trop d'éléments frustrants et je me dis, bah en fait, le colis sert plus à grand chose. C'est du PVP moins beau que le tournoi en fait. Donc voilà. Donc je me suis dit, et accessoirement, en termes de gestion de contenu et de mon temps de jeu, etc., ces dernières années, de mes kamas aussi, bah, j'ai investi énormément dans des stuff PVP quand j'avais plein d'autres projets, plus PVM annexes qui attendaient. Typiquement, vous n'avez pas eu beaucoup de PVM sur ma chaîne ces dernières années. C'est pas l'envie qui me manque, c'est juste qu'en fait, bah, les sessions tryhard Forge Magie sur des stuff PVP absorbent énormément de temps, me demandent de générer des kamas pour acheter des runes, pour faire de l'AFM, pour aller là-dedans, etc. Et en fait, ça absorbe beaucoup de mon temps de jeu, de mon énergie, et de mes ressources in-game pour ne pas me faire beaucoup avancer au final. Parce que la méta change, et à chaque fois, bah, la méta change, il faut faire tous les stuff, etc., etc. Bref, c'est ingérable. Ça me pose beaucoup de problèmes structurels comme ça, et j'en suis arrivé à la conclusion que, bon, voilà. On va vendre les stuff PVP et on va PVP full sur serveur tournoi et on va se concentrer in-game sur les objectifs plutôt PVM. Concentrer mes kamas, mon temps de jeu, ma forge magie sur notamment le projet Panagriff. Panagriff qui consiste à faire tout le jeu sur toutes les classes, avec en plus la 19e qui va arriver, le Forge Lance. Bref, vous aurez d'autres contenus, d'autres vidéos là-dessus. J'ai beaucoup de choses à vous annoncer, j'ai beaucoup beaucoup avancé de mon côté, mais je vous n'avais pas eu beaucoup de choses en vidéo YouTube. Et en plus de ça, là il y a donc mardi la bêta 2.66, hein, donc de la version où il y a le Forge Lance qui va arriver. Ce qui fait que là c'est le bon moment en fait pour revoir complètement tous mes modes, toute ma team, refaire une grosse mise à plat de tous mes persos. Là je suis sur le serveur Image Hero, il y a la fusion qui a eu lieu il y a quelques jours, enfin il y a quoi, 10-15 jours. Et bah, ça m'a rassemblé énormément de persos sur le même serveur, énormément de stuff dans tous les sens, etc. etc. Et ce que j'ai fait, c'est que bah, aujourd'hui, donc on est dimanche, là, au moment où je vous fais cette vidéo, j'ai pris une grosse partie de ma journée pour voilà, repasser en revue tout ce que j'avais sur tous mes comptes, refaire un truc hyper propre, revoir ce que j'avais besoin de revoir, de changer, de modifier. J'ai acheté pour près de 200 millions de kamas de green, tellement j'avais de trucs à faire, de changements de perso, de compte, de nom, de machin dans tous les sens, de rename, d'ajout de slots de personnages. J'ai complètement réorganisé ma team. D'ailleurs, je me suis dit que ce serait sympa que je vous fasse une grosse vidéo de présentation de ma team, de ma team en général. J'avais fait ça il y a quelques années, mais là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je pourrais vous faire une grosse vidéo présentation de mon écosystème, en fait, mon écosystème de tous mes persos. Là, j'ai actuellement 20 comptes sur Image Hero. Enfin, 20 comptes sur plein de serveurs, mais principalement sur Image Hero, qui est devenu mon serveur de jeu, puisqu'avant, j'étais sur Julite. Et voilà, tout ça pour dire que là, on est sur une grosse phase de réorganisation, et je me dis, on n'est pas longtemps avant la 2.66 et l'arrivée du Forge Lance. Ce sera bien que j'ai plein de kamas dispo pour vraiment investir dans mes stuff PVM et vraiment commencer le contenu PVM sur la chaîne de façon beaucoup plus carrée. Et là, le timing me semble parfait. Voilà, pour me dire, bah voilà, fin de la 2.65, on vend les stuff PVP, et début 2.66, on a quelques milliards en poche, et on fait all-in sur les objectifs, et en mode bulldozer sur Panagriff. Voilà un petit peu l'idée, et le dernier élément qui est pas négligeable non plus, qui est aussi un petit timing que j'avais dans la tête depuis quelques semaines, pour le comprendre, il faut avoir vu ma fusion sur, enfin pardon, ma vidéo sur la fusion Hagrid-Julith qui a fait le serveur Image Hero.
Où je vous expliquais qu'en gros, il y a une énorme quantité de Kamak à l'arrivée d'Hagrid, ce qui allait faire une grosse inflation sur les serveurs. Bref, je vous irai voir la vidéo un déséquilibre monétaire pour comprendre un petit peu tout ça. J'étais un peu rentré dans les détails. Tout ça pour dire que là, on est dans, j'avais décrit dans cette vidéo, une période de transition entre la fusion Hagrid-Julith et l'équilibrage des prix sur les interserveurs et tous les prix interserveurs. Et là, on arrive en fait, à mon avis, à la fin de la bulle. Pourquoi? Parce que là, les derniers serveurs venaient de fusionner. On a eu les fusions Tilesia, Elmina, etc. qui ont eu lieu la semaine dernière. Ce qui veut dire qu'à mon avis, il y a bientôt les migrations qui vont être ouvertes et donc les flux de Kama et d'items qui vont circuler entre les nouveaux serveurs. Et là, on est dans le timing parfait où il y a encore beaucoup, beaucoup de Kama qui sont immobilisés sur Imagiro. Ce qui veut dire que le prix de vente des items est potentiellement le plus intéressant maintenant. Voilà, c'est pour ça que j'ai aussi choisi ce jour-là pour faire ça, parce que j'estime que. On est dans la meilleure conjoncture économique en fait pour vendre des items PVP. Voilà, bon, tout ce blabla un petit peu pour vous expliquer tout ça. Donc on va partir, là je le fais en stream sur Twitch, n'hésitez pas d'ailleurs à aller me follow et à venir, je suis souvent en stream le soir. Mais on va partir sur une vidéo assez longue, je vais passer les items un par un, je vais pas forcément tout vendre, je vais voir ce qui me tient à cœur, ce que je me dis, bon je le vends, je pourrais le racheter, je pourrais en refaire un en FM assez facilement. Et voilà, on va prendre le temps de regarder un petit peu les items, d'établir un peu les prix en regardant ce qui se fait sur les autres serveurs ou sur les HDV. Et à la fin, je pense que je me ferai un gros mode marchand et je vous mettrai, voilà, je vous dirai où est le mode marchand si vous voulez aller regarder. Et j'en profiterai aussi bah, pour l'envoyer à toutes les personnes qui m'ont demandé ce que j'avais à vendre parce que j'en ai parlé un petit peu aujourd'hui plus tôt dans la journée. Et j'ai déjà reçu plein de messages de joueurs qui m'ont dit bah, j'aimerais bien voir tes items à vendre avant que tu les mettes en vente. Je pourrais t'intéresser par certaines choses, etc., etc. Voilà, en gros, le projet. Allez, c'est parti, on s'y met. Allez, on commence. On a trois alliances Glourson. On a. Un gros jet Exopea, enfin un gros jet, un Nirperf quoi. On a un gros jet Exopm pour 100 res. Et on a un Exopea. Alors là, le jet peut paraître éclaté. Mais il avait été fait sur mesure parce que je voulais un jet sans ini pour que le perso qui l'a joue non pas premier mais deuxième dans ma team colis. Voilà, ça c'est le. C'est typiquement un des avantages du colis quand même par rapport au serveur tournoi, c'est qu'en colis on peut modifier son initiative sur certains items. Pour adapter l'ordre de jeu et en tournant on peut pas parce que tous les items sont GPerf, y compris l'initiative, ça me trigger. Pour moi, l'initiative devrait juste impacter quel team joue en premier et au sein de son équipe on devrait pouvoir organiser ses persos comme on veut. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo améliorer Dofus, ça m'énerve, mais ça c'est un autre sujet. Donc celle-là, on va la garder parce que ça n'a pas beaucoup de valeur marchande, mais si j'en ai besoin, ça peut être compliqué d'en choper une sans initiative. Et celle-là, elle avait été achetée 135 millions par un pote, je crois. Mais je me rappelle le moment où je veux tourner cette vidéo que j'ai un contact qui avait une option d'achat. C'est-à-dire que quand j'ai acheté l'item là, je m'étais engagé à lui revendre à lui en premier avant de la mettre en vente si je voulais m'en séparer. On est sur un. Alors moi j'appelle pas ça du Nirperf parce qu'il manque 8 de Vita. À partir de 246 dans mon vocabulaire, ça serait du Nirperf. Ça n'en est pas, mais c'est quand même une très très grosse alliance Gourson. Et je m'étais engagé, voilà, à la proposer à son ancien propriétaire avant de la remettre à la vente. Donc celle-là, on va pas la vendre tout de suite. Donc on va vendre celle-ci. Celle-ci qui est une Nirperf. J'ai très soigné. Il manque un peu d'ini, manque 12 d'ini. Et puis moins 1 chance, moins 2 d'agi, moins 2 de sagesse, le reste perf. Donc c'est quand même pas mal. Fut un temps, c'était vraiment un item impressionnant. Maintenant, ça fait quelques années qu'on voit quand même pas mal d'alliances Glourson avec des génies Nirperf qui se baladent. Donc ça doit pas être incroyablement fou. On va voir un peu ce qui se passe en HDV, donc je rappelle, on est sur Imagiro. Ça va pas. 34 sagesse. 30... Ah, je m'attendais un peu mieux quand même sur les HDV là. 36 sagesse. On a 40 là. Ah, il manque des dommages, il manque de la sagesse. Ah, il n'y a pas trop de. Je m'attendais à ce qu'il y ait quand même quelques Nirperf PA qui se baladent. Ok, donc là, on est déjà sur la meilleure de l'HDV. Ouais, non, ça c'est un peu en dessous quand même. Après, en faisant un tout petit peu de négligence sur les stats, on tombe très très vite. Hein. On est à 25 millions. Typiquement, un jet comme ça à 25, c'est quand même pas dégueu. Je pense que je vais partir sur. Je dirais une cinquantaine, une soixantaine. Je pense 50, c'est bien. 50 parce qu'il y a le manque d'ini quand même. Ok, ça part à 50 ça. Tac, alors encore une fois, là ça va être un mode marchand. Je mets volontairement des prix potentiellement assez hauts parce que j'ai pas une envie dévorante de me séparer de mes items.
C'est juste que je vais avoir un mode marchand, comme ça les gens ils verront ce que j'ai à vendre et ils pourront me faire des offres. Je dis pas du tout que les prix que je mets sont les prix exacts de la valeur marchande des items. Hein. Je sais bien qu'il va y avoir 40 000 réactions MDR ça vaut pas ça ou je sais pas quoi. Je mets par rapport, je mets le prix qui me fait passer la barre du ok je me sépare de l'item, sachant que j'ai pas extrêmement besoin de Kama non plus et qu'il y en a plein que j'ai pas spécialement envie de voir disparaître de mon inventaire. Voilà, c'est un peu la mentalité dans laquelle je fais ce mode marchand. Alors, on passe aux alliances de corruption. Alors là, on a un jet de craft. Ça avait pris pas mal de temps à exo. Bah, ça va partir en moins cher. Léger truc. En fait, les jets random, je les mets HDV. Et les trucs un peu plus chers, qui vont être plutôt sujets à négociation, je les garderai pour le mode marchand. Alors, HDV, c'est un peu la poubelle. Donc là, j'ai deux vrais jets par contre à vendre. C'est dommage neutre PM et renvoi de dommage PM. Dommage neutre PM, très intéressant pour des modes terre où on veut avoir plus de dommages neutres que de dommages terre dans son mode pour pouvoir par exemple prendre de la crocobure dommage neutre ou des intimidations neutres sur un Yob, des flammish neutres, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment très intéressant dans une optique offensive terre. Et le renvoi de dommages, c'est aussi. Ça fait partie de mes expérimentations de Theory Craft. Je vous laisserai aller voir la vidéo que j'ai faite. Il y aura beaucoup d'items renvoi de dommages PM dans la liste là. Beaucoup je me suis fait faire sur mesure ou que j'ai fait moi-même. Je vous mettrai un lien voilà, sous la vidéo, d'une vidéo explicative de pourquoi ce renvoi de dommages. Et je vous assure, c'est pas du trolling, il y a un truc chimique que j'ai fait derrière et c'est. Ça se tient, ça se tient. Bon, du coup, on va regarder un petit peu les prix. Corruption, corruption, HDV, voilà, ça c'est les deux jets que j'ai à vendre. Alors, faut bien que vous les voyez sous la cam. Hop, ça devrait être correct. Qu'est-ce qu'on a en PM, en HDV. Alors on a de Overvita PA, un peu chez Rose quand même, mais pourquoi pas. Bon ça c'est vraiment l'item méta par excellence. Très très plébiscité dans la méta. Il n'y a pas l'air d'avoir de gros GPM. Ça c'est typiquement là qu'on voit que les gens TheoryCraft bizarrement. Un jour je ferai une vidéo sur comment TheoryCraft les mods parce que ça n'a aucun sens de mettre du PA là-dessus en fait. À partir du moment où t'as une alliance corruption dans ton stuff, il faut faire du PM dessus. Pour avoir un over ou un exo à côté. L'item est tellement simple avec le puits invo PO. C'est un peu du trolling. Mais bon. Voilà, ça typiquement, ça c'est un jet qui a beaucoup plus de sens, même sans le PO sur un perso qui a pas de PO. Bon, il y a quand même pas mal de jets, mais aucun qui sort vraiment du lot. Je suis un peu surpris. Je pense que je vais les mettre... je pense celui-là à 35, et celui-là à 40 ou 45, je pense. Allez, on va dire celui-là en vrai. Ouais, bon, 45 c'est bien. Sachant qu'il n'y a pas le... Il n'y a pas le retrait PM, c'est vraiment pas compliqué à faire. Il y a quand même les deux dos neutres, faut les mettre, les deux dos neutres. Les tentats, faut aller les chercher. Et celui-là, 35, pas parce que ça vaut moins cher, mais plutôt que ça va être un peu moins recherché, donc ça a moins de valeur marchande. Mais ça a du sens de jouer ça, hein, vraiment. On enchaîne avec une amulette aimantaire de luxe. GPF Transvitalité, que j'avais faite, c'est moi qui l'avais FM, je me rappelle, pour aller sur mon Xelor PVP, à une époque où j'avais testé des Theory Craft un peu sombres. J'avais fait des choses étranges, je reconnais. Est-ce qu'il y en a HDV? Il y a exactement les mêmes HDV, 23 millions 5. Ok. 20 millions, on va la mettre 20 millions je pense, ce sera bien. Voire même un peu moins cher, ouais non là, il manque une invoque. Ouais, il y a plein de jets identiques à 15 millions. On va la mettre 15, je pense 15 ça peut partir. Voire même moins. Hein. Allez vas-y, 15 ce sera bien. Allez, en vrai, je vais même la mettre 14. Là, typiquement, c'est parce que c'est un item qui a aucune valeur affective. Je compte pas m'en servir, c'est pas du rare faire, donc je m'en fous. On va même mettre 13, en vrai. Hop. Parce que ça, c'est vraiment... ça encombre l'inventaire pour rien. Allez, on passe à l'amulette séculaire. On est sur un Nirperf 3% terre. Alors, celle-là, j'avais fait pas mal de tentatives PO dessus, je me rappelle. C'était pas passé. Je voulais mettre 3% terre PO, c'était pour aller sur mon Ekaflip Feu. Avant que je le passe sur un stuff plus méta à base de double guerre, volcan, etc. Et les exos 3%, alors il n'y en a plus beaucoup, c'est moins recherché, ça n'a pas encore rentré dans certains modes, c'est plus trop la méta. Là on a du G-Éclatax, ouais ça vaut. En vrai je pense que je vais la mettre à 15 millions, on verra si ça trouve acheteur ou pas. On passe à une amulette Volcorn, j'ai parfait trans dommage distance. Alors ça, est-ce que j'ai envie de m'en séparer ou pas? C'est un peu la question qui se pose. C'est typiquement le genre d'item où je peux ne pas avoir une énorme envie de le vendre. Parce que si un jour je reprends, je serais très content d'en avoir une. Et c'est assez pénible à faire en perf avec les 100 d'Intel qui posent des problèmes de congruence sur la FM.
D'un autre côté, si j'en ai besoin, je peux retrouver assez vite quand même. Hein. C'est un item méta qui circule beaucoup. Voilà, typiquement là, il y en a exactement une autre à 13 millions. Ouais, non, c'est l'HDV est rempli en fait. En vrai, bah, je pense que ça va partir à... je pense que ça va partir à 13 millions. Ce sera bien. Bon, là, on a le cas un peu épineux de cette amulette d'Ilizael que j'avais faite pour mon sacrieur qui m'avait demandé des semaines de FM dessus. J'avais bien stuck, c'était assez long. Et bah comme c'était pour mon sacrieur, j'ai pas mis le PO. Parce que la PO sur un sacri, voilà. Mais là, je me pose la question, est-ce que j'essaie de la vendre comme ça? Ou est-ce que je tente le PO? Ça peut se discuter, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas vraiment de jet équivalent en HDV. Il y a ça qui s'en rapproche un peu, là il y a le PO, mais il y a un monde en fait entre 66 et 96 en over en FM, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'en plus on est capé à 505 hein, sur les items comme ça. Je pense que je vais essayer un petit peu de le vendre sans le PO, et si au bout d'une dizaine de jours j'ai eu aucune manifestation de personnes intéressées, on cliquera gentiment sur la rune PO. Je pense que ça va être ça le projet. On va la mettre, je sais pas, une quinzaine de millions, je pense. Voire plus, 20. Alors, ça c'est typiquement un item de full fraud. amulette de Nilesa, je me rappelle un jour je faisais le tour des HDV pour je sais plus trop quoi. Et j'ai vu ça en full perf avec la prospection, je me suis dit un jour j'en aurais peut-être besoin dans un mode en PVM avec une petite transe. Il y a un bonus, deux items initiative, peut-être. Bon voilà, typiquement ça fait 5 ans que c'est de mon inventaire. On va revendre, faut que j'arrête d'acheter les doubles qui traînent partout. Parce que c'est plus gérable. Donc qu'est-ce que ça vaut ce truc? Là on a déjà un peu éclataxe. En vrai je crois que je l'avais acheté genre une dizaine de millions. Les trucs comme ça en fait c'est des items random et puis PA, mais en full perf c'est quand même bien parce que quand tu veux vraiment un full perf, bah la sagesse peut troll, la vita peut troll. Et si le jour où t'en as vraiment envie, tu peux galérer à le choper en fait. Bon là le problème c'est que ouais, bon, ça vaut quand même pas grand chose. En vrai je pense que je vais le mettre ouais, une petite dizaine. Alors là on a une amulette de l'œil attentif, 3% feu en near perf, moins 2 sagesse, moins 1 vita. Je l'avais fait faire sur mesure pour mon Xelor. Alors l'item est très méta, en revanche le pourcent feu c'est pas forcément ce qu'elle peut rechercher dessus. En général on voudra plutôt du pourcent eau ou du pourcent air sur cet item. Mais moi j'avais un mode très spécifique où il me fallait du pourcent feu. Ok bon il n'y a que dalle HDV, ça ressemble pas à grand chose. On va partir sur entre 15 et 20 je pense, on va voir ça. Ok, donc là ce qui me reste c'est une amulette œil attentif, c'est pour un panneau sagesse, hein, donc n'ayez pas peur du G. Là on a une amulette cœur saignant, perf dommage mêlée, alors ça c'était typiquement pour du PVP, je peux la vendre. Ouais ça se vend ça. Hein. Alors ça typiquement voilà, le prix des items en fait fluctue selon l'envie que j'ai de vendre l'item, la potentialité que j'en ai besoin à l'avenir à nouveau. Et ça, typiquement, je jouais ça sur mon mode melee one shot, full dégâts, là. Il y a peut-être moyen que ça, j'ai pas trop envie de la vendre trop cher. Là, on a du perf à 20 millions. Je pense que je peux la mettre... je peux la mettre 22, 23, je pense. Ça va partir, allez, à 23, ça. On a quoi d'autre? On a un near perf. Le near perf, il peut partir à... Alors, dans l'idée, c'était pour aller avec une transe de match distance, en mode de match distance. Hein. Je vais peut-être la garder. Ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas le perf prospection sur mon G. Je veux les trans de match distance, mais bon. C'est pour aller sur mon U-up. Ou de match sort. En vrai, je vais la garder, parce que si je commence à vendre les items que je peux jouer, je vais jamais m'en sortir et j'avancerai jamais sur les modes. Donc, on va garder ça. Et là, j'ai une over vita. Sans retrait PM avec un gros over, ça je me rappelle j'avais mis 3 mois de forger magie pour la sortir. Et ça, ça va partir à 35 millions je pense. Hein. Je sais qu'il n'y a pas le retrait PM, mais c'est tellement hardcore à faire. Des over, plus de 90 d'over sur des items à 400 de base. Celui-là c'est 3 mois de FM. Je me rappelle c'était de novembre à janvier 2021-2022 que j'avais fait cet item. On va voir, je mets un prix, je pense, qui est assez haut. C'est pas haut par rapport à la difficulté de réalisation de l'item, mais c'est pas extrêmement recherché sur ce genre de FM sur cet item, donc on verra si ça trouve preneur ou pas. Ouais, bon, je suis en train de faire le tour des items HDV pour vendre mes trucs. Là, on a une émue cœur saignant en perf HDV 1 066 000, on va l'acheter et on va la revendre le double, hein, ça va être le projet, je pense. Voilà, ça régale. 8 6 000 perf pour un item méta PVP.
Avec 50 sagesse en plus, qui est assez galère à FM en perf. Ça part tous les jours. Alors oui, fun fact, il y avait une petite AMU cœur saignant GPerf HDV sans trans, je l'ai acheté, je vais la revendre le double, voire plus. Bon voilà, merci le chat qui l'a remarqué. On arrive sur des items un petit peu à la sauce Grifox, c'est-à-dire que je suis le seul mec sur Dofus à jouer ça. Donc ça va pas forcément être simple à vendre. On a ici un anneau possédé sans PO, sans crit, sans dos neutre, en renvoi de dommage PM. Bah yes, hein. Alors ça c'était pour jouer sur mon Sacrilleur RPVP. Je vous promets que c'est très très bien, ça fait des trucs. Le crit on s'en fout parce que c'était pour jouer dans un mode en panoplie d'Ilizael, donc t'as moins 20%, moins 30% de crit avec la panneau, t'es à 0% de crit, ça change rien. La PO on s'en fout, on a un Sacrilleur. Les dommages neutres on s'en fout, on est R et on tape juste avec les dommages terre sur des sorts utilitaires type afflux pour faire des zones. Et on tape jamais neutre. Donc le G est pas du tout trolling, pour un G R 60 AJ, enfin c'était un G pixel. En plus en ayant besoin du retrait PM pour les désolations. Je vous promets, le G c'était une pure dinguerie. Alors par contre pour le vendre... à moins qu'il y ait un deuxième Grifox qui se balade sur Dofus, qui va acheter ça en fait? C'est un peu... on me dit dans le chat PTDR, anneau de sociopathe. Non mais voilà, je vous promets, je l'ai tryhard, je crois que c'est moi qui l'ai fait celui-là, ou je l'ai fait faire sur commande. Non, celui-là c'est moi qui l'ai passé je crois. En vrai, ça va partir à... Ça va partir à 15-20 millions ça je pense. Hein. Mais c'est typiquement, je vais le mettre en vente en me disant j'espère que personne va l'acheter parce que si j'en ai besoin un autre un jour, j'ai pas envie de le refaire en fait. On enchaîne avec un anorifique, moins 1 dommage R, moins 2 agilité, moins 2 sagesse, trans dommage distance. Cet anorifique que j'ai joué pendant très longtemps sur mon Eneripsa feu PVP, j'étais passé le premier du ladder colis avec cet item. Je me rappelle à l'époque où je jouais en double item de la panoplie glou. Et je me rappelle qu'il m'avait traumatisé cet item parce que je l'avais fait en brisage PA. Et j'avais grid l'over AJ, j'avais balancé genre 2-3 rage à la fin de l'UFM, alors qu'il me restait encore le dos R. Et j'étais en mode, bah je vais faire l'over AJ, je vais taper le dos R dedans, ce sera bon. Et en fait j'avais bouffé tout le puits. Et en fait j'avais le puits de faire un set dos R et d'avoir un irper sur l'item très très propre. Et je m'en suis voulu pendant des semaines, j'en ai perdu le sommeil de pas avoir mis le dos R sur cet item, je me rappelle, sur ce brisage PA. Qui est quand même pas évident à faire avec les 15 soins, c'est un gros dos, c'est pas facile à faire comme brisage. Donc du coup, dommage qu'il n'y ait pas le dos R, ça aurait quand même changé pas mal la valeur de l'item. Alors après, c'est pas forcément un item qui est encore extrêmement joué, quoique. Il est intéressant avec les petites bonus de recrit dans la panneau. Moi, je le jouais bien en feu parce qu'il y avait aussi beaucoup d'AJ qui fait de la fuite. Bref, c'était pas inintéressant. Je pense que je vais le mettre... Si c'était un item très recherché, j'aurais pu le vendre vraiment cher parce qu'avec les 15 soins, c'est pas facile à faire. Mais comme c'est un item qui est pas hyper... acheté, qui ne circule pas énormément, je vais devoir mettre un prix assez modeste. On va partir vers 17 millions, je pense. On enchaîne avec un Nanotique Exopea. On est légèrement en dessous de ce que je pourrais appeler un Nirperf. Il manque un poil de Vita, et il nous manque un Repou. Sur le reste, c'est hyper soigné, il n'y a rien à dire. C'est un item qui est pas facile à faire. Cet Nanotique, j'ai un lien assez affectif avec. Pendant très longtemps, j'en ai tryhard. J'ai passé des soirées et des soirées à essayer de faire un over recrit PM. Pendant des années, j'ai rêvé d'avoir un anotique moins 10 récrits exo-PM, et j'en ai jamais passé, j'ai fait plein de tentats. Et ça, c'est un jeu que j'avais trouvé, je crois que j'avais trouvé qu'il était un bon rapport qualité-prix par rapport à ce que je l'avais payé. On va voir si on peut le revendre correctement. C'est encore assez joué parfois dans des modes un peu situationnels où il y a besoin de répou et de beaucoup de res. Hein. Le 10% O, 10% R, 30 répou, il met vraiment bien en termes de résistance. Si on peut compenser le malus de récrits, mais avec du stalac ou des trucs comme ça, ou des items... Il y a pas mal de mods qui font beaucoup de récrits, donc franchement ça peut rentrer dans pas mal de trucs. Je pense que je vais le mettre à 35 millions celui-là. 35. J'aurais mis 40 s'il y avait les 30 répous. Mais c'est quand même un sacré G, hein, avec tous les petites lignes au max à côté, ça met plutôt bien. Ok, le chat m'a mis un petit coup de pression, ça va partir à 45 en vrai. Des fois il y a un petit delta entre ce que j'annonce et ce que je mets vraiment dans le mode marchand, il y a encore de la fluctuation. Tant que j'ai pas cliqué sur mettre en vente, le prix peut bouger encore. Hein. Voilà. Ok, on enchaîne à notoriété, Nir Perf 3% haut. Bon, là on est vraiment sur de l'item full random. Puis PM, c'est un item les plus faciles à FM du jeu. Le jeu n'est pas spécialement remarquable. On va regarder combien sont les 3% en HDV. Je pense que ça va vraiment être que dalle. Ça, à mon avis, ça va partir HDV. Il n'y a peut-être pas besoin de le mettre en mode marchand. Quoique. Voilà, on a un truc quasiment équivalent. Là, on est à 6 millions. Le mien, il est un peu meilleur. Il y a l'équivalent de puissance. On va le mettre à 7 millions, ce sera bien. Ok, on part sur un anneau de Paul Watnos, j'ai parfait 3% haut. J'avais dû faire ça pour jouer sur mon Xelor aussi. En général, les items bizarres que personne ne joue, c'est sur des trucs de Xelor que j'ai fait.
Sans grande conviction. C'est qu'on a du 3% là-dessus. Encore une fois, c'est comme l'autorité, hein, c'est du thème appui, plus PM, pas beaucoup de lignes, très très facile à faire. Alors, c'est vrai que je crois qu'il y a plein de PA parce que ça doit se jouer sur des pandas, ce genre d'item, des pandas tank PVM. Peut-être que le mien trouvera preneur sur ce type de joueur. Dirais 5 millions, ouais. Je vais le mettre 6, je vais le mettre 7 millions, je pense, hein, 3% perf sur le PPM. Allez, ça part. Ok, on enchaîne avec 3 anneaux russes. On a un moins invité à dommage au sort, fait un brisage PA. Un j'ai parfait qui n'a pas encore de rune de transcendance, fait un brisage PA également. Et on a un over invita PM, j'ai ok. J'ai ok, ok bof. Ouais, il manque 3 spins, non, j'ai random en fait. Ok, on va voir ce qu'on a HDV. Je me rappelle, j'avais regretté d'avoir mis une dommage sort. J'ai alterné en fait entre des moments où j'ai joué sur Eka Flip, des moments où j'ai joué sur Eneripsa, où je voulais les dommages sorts, où je les voulais plus, c'était un peu compliqué. On va regarder ce qu'on a. Alors là, on a un PA qui est pas mal. Un peu cher pour du moins un soin, je trouve, mais ok. Comme c'est un item qui est très très joué, en vrai, les gros jets peuvent exploser en prix. Là, on a beaucoup de PA. Là, on a du PM, là, c'est moins bon que manger ça. Hein. Mon PM, je pense que je peux caler un petit 35 à mon avis. Après, il y a le manque de soins, mais ça peut être joué sur des classes qui soignent pas. Hein. Il y a aussi des gens qui jouent ça en 1v1, donc c'est pas forcément giga handicapant. Je pense que ça part à 35 pour le PM. Le perf, je vais le garder, parce que c'est très compliqué à avoir en perf quand même cet item en brisage PA. Et c'est un item très méta, donc si un jour je refais du PVP, je serais très content de l'avoir. Et le moins invita, je vais le mettre bien cher. Je pense que ça va être 35 le PM. Et 30 le moins invita. Bon là on a du l'arc corrompu, arme de chasse, dommage distance. J'avais bien galéré à le faire celui-là, je me rappelle de la session FM. Je vais le garder, ça pourra servir. C'était à la base pour jouer sur mon ennemi, mais finalement mon ennemi, je l'ai mis multi de crit, feu air, strategy de pas de greffe. Bref, là j'ai un GPA fraise distance, trans, c'était plutôt pour du PVP. Alors à l'époque ça avait du sens, maintenant la trans elle est un peu sad en vrai, c'est pas forcément ce qu'on voudrait là-dessus. Je vais peut-être essayer de vendre celui-là. Ou alors je peux limite le garder en vrai, hein, mais là on est sur du near perf trans, 15 millions. Je peux le tenter à, ouais, je peux le mettre une 15-18 par là. Avec la trans ça se vendra mal, hein, malheureusement là la rune trans elle enlève de la valeur à l'item. Là j'ai un chaleuil, manque de dopou mais near perf sur le reste, chasse d'audi, je vais garder ça pour mon yop. Là j'ai une bac corrupte, dommage mêlé, un brisage PA trans, ça paraissait, je vais jouer sur mon yop one shot PVP, je vais la garder. Là j'en ai une autre, j'ai parfait, ça je vais la garder pour aller sur le yop, yop PVM. Alors j'ai une baguistique là, oula c'est sombre ça, bon ça va partir, là j'ai des petits items random. Bon je vous montre pas forcément tout, hein. Il y a des trucs, j'ai des trucs qui traînent, que j'avais gardé aussi peut-être pour monter mes métiers de FM, ce genre de choses. Ça part, j'ai de craft HDV, hein. C'est très très simple. Ensuite on a des baleinabots over vita, sans dos neutre. Ça c'était encore des items de mon sacri R, les gros over vita sans dos neutre sur des items... R avec pas mal de force quand même. Ça peut peut-être se vendre. Là on a du G Eclatax. 9 millions 5. Elles sont pas dégueu les miennes quand même. Je pense que je vais les mettre à 15. 15, 16, 17, 18 peut-être. Après en HDV ouais, il manque des trucs sur toutes les lignes. Ok bon ça va partir à 17 ça. Alors là, on a des bottes innommables, j'ai parfait dommage distance. Celles-là, je vais les garder, parce qu'avec les 100 d'intel, 500 de vita, 60 de sagesse pour avoir le full perf, c'est une pure joie FM. Si un jour j'en veux, je serai content de les avoir. Là, on a les bottes Nilesa, qui allaient avec l'amulette de Nilesa de tout à l'heure, je pense. Perf dommage distance avec prospection. En vrai, peut-être moyen que je les garde quand même. En double item Nilesa, avec un petit arc corrompu là, full stats. Peut-être, éventuellement, ça peut faire des trucs. Pareil, ça je vais garder, je pense. Et quand il y a vraiment du full perf, j'aime bien garder les items quand même. Dès qu'il manque un de vita, je me dis je peux le vendre, je m'en ferai un mieux quoi. Mais quand c'est du full perf, je me dis c'est quand même dommage de m'en séparer. Là on a des bottes cœur saignant, jet de craft, ça je vais le garder pour FM. Là on a des jets parfaits, dommage mêlé. Full perf avec la sagesse au max et tout et tout. Je vais peut-être les garder en vrai. Après les bottes elles sont très très hard à FM.
Il y a des jets bizarres en HDV, mais... Ouais, on est sur du Near Perf Trans, on est à 18 millions, là. Je pense que je vais les garder les miennes, à mon avis. J'ai pas une envie dévorante de m'en séparer, ouais. Bot du roi joueur, ça par contre, ça devrait pouvoir se vendre. 3% terre, sans retrait PM, sans dos neutre, ça c'était sur mon Ekaflip, le même qui avait l'amulette séculaire. Voilà, moi j'ai un G Near Perf, sans dommage neutre, sans retrait PM. Et là on a un G qui est moins bon que du Near Perf, à 15 millions. En vrai je vais les mettre à 10, hein, je pense. J'avais un peu galéré à les faire, je me rappelle, mais... Mais les lignes manquantes ne justifient pas de mettre un prix élevé. Là il y a des trucs clean. Même moi, en vrai, je pense que je peux les mettre... Je me demande même si je vais pas les mettre HDV. Je vais les mettre HDV, je vais les mettre... Je vais les mettre 8 millions 5 HDV. Je vais... Sur mon mode marchand, je vais mettre les beaux items, et puis les trucs un peu poubelles, comme ça, on va les mettre HDV, ce sera pas plus mal. Ça, c'est de la panne PP en garde. Alors, botistique, aïe 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 aïe. Les botistiques. Là j'ai un G 3% feu, on est sur du... Ouais, moins 1 d'auteur, il n'y a pas les deux neutres, il manque un peu de deux pour. Ah, le G il est bancal. Hein. Je me rappelle, j'avais pété un câble en FM, c'est impossible à FM ce truc. Les lignes sont abominables. En vrai, je vais les mettre, je pense que je vais les mettre 15 millions. Mais pareil, si ça part pas, ça m'empêcherait pas de dormir quoi. Je sais pas qui pourrait acheter ça, à part moi. Vas-y, ça part à 15. Mais sans conviction. Sans conviction. Là, on a quoi? On a un possédé. Les boucliers perf trans, je vais les garder, c'est toujours bien d'en avoir. Voilà, j'ai un bouclier Vita. Ilizel, trans Vita aussi. Là, j'ai des boucliers sagesse prospection, on va garder. Amakna Force. Je vais le garder. Ça, c'était pour le mode one shot du Yop. Parce que c'est assez galère à faire, j'avais fait un brisage P1, mais je pense que ça se vendra pas hyper bien. Autant que je le garde. Alors on arrive dans les stalacs. Là j'ai un stalac perf vita, je vais le garder. J'ai deux stalacs j'ai parfait, je vais les garder. Je les avais achetés pour trans, pour PVM, plutôt sur du roublard et du SRAM en mode full réseau. Bon ça on en reparlera sur les contenus adaptés. Là j'ai un PA qui est pas trop dégueu en vrai. Moins de puissance, Stalag PA, c'est même assez big comme j'ai en fait. Est-ce qu'on a des équivalents? Pareil, celui-là je suis pas convaincu d'avoir envie de le vendre. C'est à peu près du même acabit que ce genre de G, à 74 millions là. Ouais, je sais pas trop si je veux le vendre en fait. C'est pratique pour combler des modes d'avoir ça en stock. Je vais le garder le Stalag. C'est pas urgent. Fond marin PA, je vais le garder. Ça peut servir. Minotaur, c'est de la panne OPP. Alors j'ai un Piloster PA là. J'ai perf. Bon, c'est joli, mais c'est pas une dinguerie non plus. Hein. C'est du pilo, ça se fait bien. Là, on a un moins 1 dommage, moins 2 puissance à 35. Il est un peu cher pour ce que c'est, je trouve. En vrai, je peux le mettre à 55, je pense. Je pense que ça part à 55, le perf PA, là. Ça peut servir dans pas mal de modes, quand même. Après, en général, les pilosters, j'utilise surtout sur du multi de crit, et je préfère avoir le PM sur le piloster, PM de crit. C'est plus cohérent. Et je l'avais joué un peu sur des modes chance, aussi, à une époque. Des modes chance où il y a besoin de porter. Les deux PO mettent bien, quand même. Mais ouais, je pense que 55 pour ça, ce sera bien. Ok, là on a une cape de Duondin, 3% feu, moins 4 vita, un bon Near Perf 3%, je crois que c'est moi qui avais fait celle-là. On a un truc un peu moins bon ici à 15, en fait c'est pas du tout un peu moins bon, c'est éclaté, là. Il manque un soin, une esquive, une passa, bon y a rien qui va. Y a pas trop d'équivalent HDV j'ai l'impression. Je peux la mettre bien cher ça. À mon avis, ça prend un petit... Ah, attendez, là on arrive sur deux trucs. C'est un peu moins bon. Ah, mais on a des choses bizarres aussi dans les HDV, ça n'a aucun sens.
des trucs HDV, ça ressemble à rien. Genre ça, pourquoi c'est à 5 millions en fait? Pourquoi c'est à 5 millions? Bon bah, achat d'une câble de Jondin à 5 millions HDV, je sais pas ce que ça fait à ce prix-là. Voilà. C'est beaucoup pas assez cher ça. On va revendre ça le triple, hein, voire le quadruple. Ça régale. Alors fun fact, le chat me fait remarquer que la cape de nain que je viens d'acheter, bah, c'est moi qui l'ai faite en fait, modifiée par Grifox. C'est marrant ça. On va la mettre, on va la mettre à 16. Et c'est la pourcent feu à 19 je pense. Ça sera bien comme ça. Hop là. Ok, on a une cape de l'œil attentif de match distance, c'est un G OK+, c'est pas du nir perf, il manque 9 de sagesse, c'est assez beaucoup, mais l'item est très chaud à faire, le reste des lignes est très soigné. Combien ça vaut ce truc? C'est un peu moins bon que ça, il est beau le G là, 35. En vrai je vais le mettre à 35 je pense. Il y en a beaucoup qui circulent, des grosses capes œil attentif. Après, sur des vrais gros jets, les prix montent assez vite, mais il y en a beaucoup qui ont été faites récemment. Ça part à 35. La fameuse Gritril au pli, là j'ai un casque Gritril, dommage sort, on est sur un G moins 1, dommage haut, le reste near perf. Très très clean pour du G force. Putain, temps, j'ai joué ça sur un sacritaire, ça a fait. Ça a suscité quelques réactions, on va dire. En vrai, je vais le mettre 20 millions, mais je sais pas qui peut jouer ça sur Terre en fait. À peu près personne sauf moi, et encore. Allez, ça part sur une Saintouze, on est là, dommage sort. On est sur un perf sauf retrait PA d'eau neutre, mais pour du mode R retrait PA, typiquement sur de l'énutroph. Ok, je dis n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas le retrait PA. Alors, Saintouze, il nous manque le retrait PA et les dommages neutres, mais on est full perf sur le reste, donc ça peut être utile. Sur des classes qui vont chercher les res, mode feu ou mode agi, pardon, mode, ouais, j'ai du mal, hein. Donc, cette Saintouze, voilà, hein, moins le retrait PA, moins les dos neutres, c'est utile sur de l'Ouginac Air mêlée, je veux rien savoir. Est-ce qu'on a des jets similaires? En vrai, pas trop. Ça, c'est un peu éclataxe. Il n'y a pas les dos terres, c'est quand même d'avoir les dos terres. Ça va partir à, je pense, à 10, 11 millions. 11 millions, ça, je pense. 11, c'est bien, ouais. Ok, ceinture possédée. Alors, ça, pareil, hein, c'est pour du... je jouais ça sur mon Sacri R. Voilà, du panneau Elisel, donc le Crit Osef, les deux neutres Osef, les deux poux, bon, c'est du Sacri, voilà. Le reste, très très propre. Très intéressant, comme cet item. Là pareil c'est du G, le G n'est pas du trolling mais en termes de valeur marchande pour trouver quelqu'un qui veut acheter ça faut se lever tôt. On va le mettre je pense 10 millions, ce sera bien. Ok donc là on a de la ceinture séculaire gros G qu'on va garder, on a du corruption, ceinture corruption PA qu'on garde. Ceinture corruption presque near perf, on va pas la vendre non plus, là j'ai un cest perf d'Audi, je vais le garder. Je vais vendre en revanche ce cest near perf d'Ossor. Ça devrait bien se vendre. Et encore une fois, quand je suis en mode, quand je les aime full perf, je les garde. Je me dis, si j'en ai besoin, j'aurai pas mieux. Ok, là, on a un full perf à 50 millions sans trans. Un deuxième. Allez, Cest, c'est très très joué, c'est très recherché. Et là, on a un moins 1 sagesse à 25. En vrai, je pense que je vais mettre le mien à 28. Je pense, si je trouve quelqu'un qui cherche ça, bon moment, ça part. Voire même 29. Je pense 29, sur 29 sagesse, 29 millions, c'est réglé. Hop. Bon. On a un chapoulpe là. Très beau G, HJ, dommage sort. Pareil pour de l'Ouginac, c'est pas mal du tout. Bon. Un peu le même problème que la Saintouze. Ça va être assez limité quand même sur le prix. Il manque le retrait PA, les dos neutres. Le reste est clean. Je pense qu'on va le mettre à 9 millions. 9 millions, ça me paraît bien. Et ensuite là on a des chaussons de Macrab. Alors ça c'est, je me rappelle on me les avait fait en Overvita reste distance, très très dur à faire. Bon il n'y a pas les donuts ni la prospection évidemment, mais du coup pour ce qu'on veut c'est très intéressant. J'ai joué ça sur mon Xelor, encore une fois tous les items un peu what the fuck c'était sur mon Xelor. Et je me rappelle j'étais un peu en mode bon
Ça fait des années que je tente des crits de résistance distance, dommage distance, dommage mêlée, résistance mêlée, dommage au sort, etc., etc. sur plein d'items pour avoir over plus crit une grosse rune comme ça. On m'a fait la réflexion il n'y a pas longtemps sur des vidéos de FM. Je dois être à plus de 1000 tentats, je pense. J'ai jamais eu de succès. Et un coup, j'ai un mec qui me dit t'as besoin de quoi comme item? Je lui dis bah, chausson de ma crabe, over vita. Si t'as un peu de rap, tu peux crit, tenter un crit reste distance. Et le mec, il me l'a crit first try. Donc j'étais un peu en mode bon, bah la vie c'est une injustice. Moi j'ai plus de 1000 tentats, ça n'a jamais passé. Donc c'est un item qui est assez sympa si on est dans un mode où ça rentre. Je vais le garder pour le côté très rare et très difficile à faire. Mais il faut vraiment avoir des modes spécifiques pour que ça rentre dedans. Voilà. Ok, là on a une chevalière roi joueur. Pourcentage PM, moins 3 retraits PM, le reste c'est du near perf. Combien ça se vend ce truc? J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de modes dans lesquels ça rentre. Je vais la mettre à 30, je pense. 30 millions, ce sera bien. Fut un temps, c'était très cherché il y a quelques années, mais maintenant, il n'y a pas vraiment de mode où c'est intéressant. Alors là, j'ai une coiffe séculaire plutôt pas mal du tout que je vais garder. C'est très dur à faire. J'ai une coiffe Fuji Givre Fuchs. Enfin, il y a juste pas le retrait en fait. Sinon, c'est du near perf. C'est pas mal ça. Je vais la mettre en vrai 6 ou 7 millions. 6 millions, je pense. J'avais utilisé ça pour du one shot à une époque. Les trucs un peu vraiment pas sensationnels, je les mets HDV direct, c'est plus simple. Ça, c'est de la panopode. Ça, on vend. C'est des résidus de montée de up métier. Ensuite, là, j'ai un gros colis du Valet Vénard Over Vita. Il n'y a pas le PO. Pareil, encore une fois, on est sur des items sacrieurs. Est-ce que ça peut avoir un intérêt éventuellement? Ouais, on a des G à peu près équivalents avec le PO en plus qui sont à 16 là. Je vais le mettre à. Je pense que je vais le mettre à 8. Sans conviction. Ça part HDV pareil. Pas besoin de mettre ça en mode marchand. Cantor Kelonia, là on est sur un très gros G. J'en ai deux d'ailleurs. J'en ai une dommage mêlée, une que j'avais gardée pour dommage distance. Deux G de Nirperf, brisage PA. Bah, je vais garder les deux tout simplement. Trop compliqué à choper. J'ai un corset de misère. Quoique en vrai, la torquée, là je pourrais la vendre. Mais à la limite, je referai une deuxième vague avec les items pour lesquels je suis un peu hésitant. Là j'ai des gros items. La torquée là. Le corset de misère ici, gros brisage PA également. On va garder. Mon couteau de chasse, on passe. Là, j'ai une crocobure dommage sort, je vais la garder en G agi qui est pas mal du tout. J'ai une croture G perf, je vais la garder. J'ai une croture near perf sans deux poux, reste distance. Alors ça. Ça doit pouvoir se vendre en vrai. Reste distance, ça peut être recherché sur des persos un peu soutien, du steamer, de l'ossa qui peuvent jouer feu. Là, on a un near perf avec deux poux à 18. Ma trance, elle enlève un peu de valeur quand même par rapport à des trans plus méta. On est sur ce genre de truc à peu près. Je pense que je peux la mettre. Je pense que je peux la mettre 9 millions HDV. 9-10 HDV. Allez, on va y aller en mode symbolique. Hop. Ensuite, on a une culotte de Bethel, reste distance. Alors, encore une fois, les restes distance. Il y a fut un temps, en fait, je jouais beaucoup en bouclier 7 ans de malheur. Qui faisait les restes mêlés sur un perso qui était plutôt tendanciellement le focus. Donc, j'ai mis beaucoup de restes distance pour compenser et pouvoir tanker les différents cas de figure. C'était pas du troning dans les modes que je jouais à l'époque. Mais malheureusement, pour la revente, c'est quand même pas très intéressant. Là, bah, mon G est pas dégueu. J'ai pas les deux neutres. Le reste est near perf. C'est pas facile à faire comme item. Je pense que je vais le mettre à 15. Mais je pense qu'il faudra de la patience pour le vendre, à mon avis. Ouais, ça part à 15, mais sans conviction que ça se vende vraiment bien. Ok, là on a des decks Lizelle. Near perf, trans dommage mêlée. Il manque un Drepou, ça me dérange quand même. Mais c'est un item très recherché, très dur à faire. Là j'ai quand même un très très gros jet. Je l'avais acheté extrêmement cher, je me rappelle. On peut leur vendre combien ce truc? En vrai, quand je vois les GHDV,
J'ai les 7 retraits PM. Je pense que ça part à 40 en vrai. Je pense que ça part à 40. Mais. Est-ce que quelqu'un va vraiment débourser? J'avais dû l'acheter pas loin de ça, mais. Le moins un répouf est vraiment badé. Et le moins un force aussi. Ah, je pense que c'est trop cher. Je vais le mettre à 30, 30, 35. En vrai, 35, je pense, c'est bien. On arrive au Dofus là. Je vais garder tous ceux qui peuvent me servir en PVM ou dans différents cas de figure et je vais vendre ceux qui sont vraiment axés PVP. Bah écoutez, on va tout simplement se caler sur le prix HDV. On va pas faire le hipster. Ça va être très très bien. Les ébènes 2 millions 2, ça fait bizarre quand même. Émeraude 1 million 8, c'est fine. Les forges de lave. Allez, on suit les cours HDV. L'ivoire. Ah bah. On vend direct un ébène, ça régale. Ouais, l'ivoire, est-ce que je les mets? Je vais payer cher en taxes quand même? Peut-être les mettre un par un, les ivoires. Genre comme ça. Je vendrai les deux autres au fur et à mesure que ça s'écoule. Là, le reste, je vais garder, ça peut me servir. Ensuite, on arrive sur droiture phalanster. Là, on est sur un perf transvita, je vais le garder. Petite incarnation ici que je n'avais pas vendue. On va la mettre HDV direct. J'avais fait une connexion d'incarnation à une époque. Enfin, j'avais commencé à faire la collection et à toutes les montées niveau 50. Mais ils ont annoncé que ça allait passer en compagnon à la Crossmonaute. Donc en fait, on va juste virer tout ça. Voilà. Là, j'ai une phonétique dommage sort, moins un vita, soin Osef. Très très gros G. Ça peut peut-être bien se vendre ça. J'avais dû l'acheter hyper cher. En vrai, je pense que. Ouais, je pense que ça va, je vais la mettre bien bien cher. Alors là, on a. Ouais, non, c'est pas. Ça vaut pas du tout. Ça, je pense que c'est 40 millions, ça. C'est très recherché. Ça va être 40, ouais. Voire 45. Alors là, on a une grosse fausse séraphine de mage distance. Soin Osef, le reste near perf. Est-ce qu'on a des G équivalents HDV? Non, en vrai, ça c'est presque aussi bon, MDR. Je vais la mettre à 15, je pense. Celle-là est meilleure que la mienne en fait. Je vais la mettre 15. Ou 17. Alors là, on a un Ganvol Evenar, Near Perf PA, je vais le garder. Ça pourra toujours servir. On a mon super omoplate 4% terre que j'avais passé en FM il n'y a pas très longtemps pour mon steamer. Celui-là, il est magnifique. Hein, full perf 4%. Je garde. On a ici un home de guerre, trans dommage sort. Bon, sans grande conviction. Le G, il est un peu naze. 11 tacles, 11 retraits. Ça vaut pas grand-chose, je pense. Les lignes importantes sont à peu près correctes. Voilà. Là, on est vraiment sur du G moyen jouable. Avec beaucoup de manques, beaucoup de lignes négligées. Ça va pas partir très cher, je pense. Ça va être. Je pense que je vais le mettre 11, 12, 13 millions HDV. Si je tombe sur un mec qui a envie de colis sans se prendre la tête, ça peut partir. Et encore. Hein. Allez, je vais le mettre 12 HDV. Ça peut le faire. Ouais, il manque beaucoup. Hein. Allez, 13. 13 parce qu'on est greedy. On est greedy, on est greedy. Voilà, faut le dire. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des petits trophées, on va garder des trucs pépés. Maille épitaphe, alors ça c'est un gros maille épitaphe celui-là. Je suis pas sûr d'avoir envie de le vendre pour être honnête. Est-ce qu'on a mieux HDV? Eh, on sent qu'il y a eu la fusion quand même. Hein. Là, y a du vrai G, j'avais pas ça sur Julite avant moi. Là, on a des vrais G HDV. Ok, là ils sont meilleurs que le mien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des vrais trucs. Je pense que je peux le mettre. Je vais le mettre 33, le My Epitaph, du coup. Le choix de trans est bon pour de l'Eka Flip. 33, ce sera bien. Ok, j'ai une Mantache. Moins 8 vita, moins 2 sagesse. Presque un near perf. Sans trans, mais sans arme de chasse. Moi, j'aurais voulu l'arme de chasse. Là, il y en a une un peu meilleure que la mienne HDV à 22 millions 5. Ouais, il y a pas mal de beaux jets. Je vais mettre la mienne à.
Je pense à 19, 18. Je vais mettre la mienne à 18. Il y a des beaux GHDV là, mais il me manque l'arme de chasse pour que ce soit vraiment intéressant à mes yeux. Alors, j'ai un masque de Cthulhu, j'ai parfait transcritique dans mon inventaire. Je sais pas du tout d'où ça sort. C'est mystérieux. C'est pas délirant, ça peut se jouer sur des modes terre en co-culte, panneau corruption, cœur saignant et tout. Enfin, il y a des modes où ça se joue, des modes Juliette, du The Bald, des machins. Mais je savais pas que j'avais ça dans mon inventaire. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc, d'où ça sort. Ah bah, il y a le même diminuant HDV. Très bien. Hop là, encore le petit ébène qui se vend. Ça fait plaisir, mais c'est pas le sujet. Là, on a un gros marteau possédé, gros gros jet. Moins 6 vita, c'est un peu badant. Moins 2 sagesse, moins 2 puissance, le reste perf. FMO, dommage sort. Vraiment, item très dur à faire et très méta. Je sais pas ce qu'on a comme équivalent HDV. Là, on a ça qui est un peu meilleur à 45 millions. Ouais, y a la vita en plus, quoi. Là, c'est de la daube. Là, c'est pas ouf. Ouais, y en a un qui est un peu meilleur à 45, mais pour le reste, là, c'est que des jets random. Hein. Je pense que. Enfin, j'ai presque envie de prendre celui-là en vrai. Hein. J'ai presque envie de l'acheter, mais il faut que j'arrête. Le but, c'est de vendre mes items, pas d'en acheter d'autres. En vrai, bah, je vais le mettre à 45 aussi, je pense. Hein. Voire un peu moins, 42. Allez, 42, ce sera bien. Ouais, y a le chat qui est en train de me chauffer à prendre le marteau possédé à 40 millions. Là, ils sont en train de me monter la tête. Vous voyez pas, mais je peux vous dire que ça y va pas qu'à moitié, là. Bon, on a une ménoture ici. 104 vitalité d'over, moins 2 sagesse, retrait PA OSF. Combien ça peut valoir, ce truc? Je me rappelle, j'essayais de faire une 505. Hein, c'est pour ça qu'à chaque fois, j'avais ces congruences-là. Bon, ménoture, forcément, surtout en négligeant le retrait PA, on peut taper des gros trucs. Là, on est déjà sur du 37 sagesse, HD pas perf. En vrai, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de concurrence sur les jets de ce que je vois là. Ok, bah il y a ça qui est à peu près équivalent. On est à 15 millions là. Ah, je vais mettre à 16 la mienne, ce sera bien, je pense. Voilà. Je vous montre le forcing du chat pour que j'achète le possédé. Hein. Je vous laisse regarder à l'écran. C'est catastrophique. J'ai tout le chat qui me met le forcing complet pour que j'achète le marteau. J'essaie de résister et d'être sage, mais c'est pas simple. Bon, là, on a des palmes tritons, moins invita, trans dossor. On va voir comment on peut choper ça. Je me fais encore spammer in-game, même pour le marteau. Apparemment, ça connaît le vendeur, ça veut me faire un prix, je sais pas quoi. Aïe, 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 c'est dur. Bon. Est-ce qu'on a des équivalents palmes tritons? Là, on a du trans 12 millions, un peu meilleur que moi, du coup. Ouais, ça va être 11 millions, je pense. 11 millions, c'est bien, ouais. Alors ici, on a une pelle cour sombre qui a une grosse valeur affective. Pour moi, je l'avais faite il y a très longtemps. J'avais fait un brisage PA dessus et j'avais ensuite fait du PPO. Enfin, c'était un bordel. Et j'étais passé à genre une rune d'avoir un G, je crois, full perf ou un truc vraiment énorme. Et là, on est sur une transe sans le PO et il manque une passa. Mais c'est quand même pas dégueu du tout, par exemple sur du Sacrieur ou de l'Ogynak mêlée, par exemple. Bon, c'est pas non plus du coup un prix qui pourra s'envoler à cause des manques de l'item, mais ça peut exister. On va le mettre, je pense. Ouais, je vais le mettre 10 millions, je pense. 10, 12. Ouais, 12, ça partira pas. Le PO casse tout. On va le mettre à 10. Alors, pendentif minon de Cthulhu, dommage distance, moins 2 sagesse. J'avais galéré en FM là-dessus, je me rappelle. C'était une purge. Ça a l'air très simple sur le papier, mais dans les faits, c'était catastrophique. Alors là, il y a beaucoup de gros jets qui valent rien du tout. Là, typiquement, ça à 6 millions, c'est donné par rapport à la difficulté de réalisation. Mais c'est un item qui a été très joué à une époque. Et qui maintenant a été éclipsé par d'autres options un peu meilleures. D'où la chute de prix. Je pense que je vais le mettre 9 millions, je pense. J'aurais aimé en tirer plus, mais on aura du mal à mon avis. Ok, là j'ai deux prix Takiri. Oula, ça vaut moins cher que ce que j'ai acheté, mais admettons. Bah vas-y, on va se caler sur le prix HDV, hein. De toute façon, pas trop le choix. Ouah, 680 000 kamas de taxes, ça fait mal quand même, hein. Je vais le mettre, mais j'ai mal. Ça, je pense, c'est le genre de truc, ça sert à rien de les mettre en mode marchand. On va se caler sur les prix, mais ça picote. Hein.
4 feuilles, perf, transdocrite, on va garder. Ça, c'est item sagesse. Ça, c'est OSEF. Bah, yes, ça me paye à... Ça me paye ma taxe de mise en vente de la Pritec, c'est cool. En vrai, les taxes, ça ta... quand tu commences à vendre des gros trucs, ça tabasse. Hein. Là, j'ai une sanglicisme en jet de craft, pour une raison qui m'échappe. Bah, ça dégage. Le picano, je vais le garder, ça peut servir. Là, j'ai une sangloriole. J'ai, j'allais dire parfait, mais non, moins un vita. Ça, je vais garder, c'est très très chaud. Sceptre roi joueur. Là, il y a du gros G. Il y a clairement du très gros G. J'ai ici un near perf, moins 4 vita, moins 1 chance, moins 1 sagesse. Et j'en ai un deuxième qui est en transgresse distance, moins 1 vita, moins 1 sagesse. Dinguerie les jets que j'ai là. Encore une fois, la transgresse distance qui casse un peu le délire, mais franchement, ça tient debout. Je les avais achetés tellement cher. Quand je vois les prix HDV, là j'ai envie de pleurer. J'avais dû les acheter 45-50 pièces. Il y a encore des mondes où ça peut être intéressant, mais c'est quand même moins joué qu'à une époque. Je pense que j'aurais du mal à les revendre aussi cher que ce que je les ai payés. Bon, il n'y a rien à HDV de toute façon. Ouais, bah, on va tenter. On va les mettre à 40, je pense. Hein. 35-40. Let's go, j'ai vendu le remueur. J'ai payé ma taxe de la Pritec, ça régale. Alors, on a 7 ans de malheur, j'ai perf trans, on va garder. Seule réécriture, dommage distance, moins 8 vita, moins 4 sagesse. Difficile à faire comme item, très joué, très méta. Sur des bons cras, des trucs comme ça peut le faire. Là, il manque, il y a beaucoup de manques. Là, il manque du retrait de l'esquive, on est à 11. En vrai, ça va partir à 12. 12, ça me paraît bien. 12, 13. Allez, 12. Allez, 13. Ok, là, j'ai des saulerets de guerre, moins un tacle. Moins 4 traits. Dommage au sort. Donc, j'ai assez random pour du PPM. Qu'est-ce qu'on a d'équivalent? Là, il manque de la sagesse. Mais il y a les stats secondaires. On est à 15 millions. Je regarde un petit peu. Oh, ça va partir à 9 millions, ça, je pense. 9, 10. 9. Ok, on a deux paires de tentations. On en a une première qui est en... Perf sans donneau, sans retrait PA. Dommage au sort. Et une deuxième qui est en overvita, sans dommage neutre, sans retrait PA également. Ok. On a quoi là? On a du G parfait. 11 millions. Des trucs un peu random. Alors par contre, l'overvita, il est assez balèze, hein, je crois. J'avais bien bien galéré à le faire. Je pense que ça va être du 15 millions pour les overvita et du 10 millions pour les sans over. Ok, torquistique, 3% terre, moins 4 vita, pas de dommage neutre, le reste perf. Je m'étais un peu cassé la tête quand même pour les faire, il me semble. On va être à 14 millions là-dessus. Les petites huillettes, 2 crit, il manque juste une Rasa et c'est un jet de fou furieux sinon. C'est du near perf, mais on est vraiment presque sur du perf, à part la Rasa. Et puis bon, la puissance piège, mais ça, personne joue avec ça, évidemment. 8 de crit, alors, est-ce qu'on a un équivalent? Ça, non. Ça, non. Ouais, on est sensiblement sur... Ah, mais non, mais là, il manque un dommage partout. En vrai, bon, ça part à une petite dizaine de millions, je pense. Allez, en vrai, 9. 9, 8, 8, en vrai, 8. Comme 8 de crit, 8 millions, c'est réglé. On termine les items en beauté avec un voile d'encre. Voile d'encre PA. Bon gros G quand même. On est sur un moins 7 vita, moins 3 d'intel, moins 5 sagesse. On a les 10 dommages. C'est un très beau voile PA que j'avais pas mal galéré à obtenir. C'est pas un énorme G, mais ça reste quand même un très très clean hein, par rapport à la difficulté de l'item.
Et j'étais théoriquement en discussion avec un gars qui voulait m'en vendre un énorme, le deuxième plus gros du jeu, je crois, ou en tout cas un très très fat. Et je sais pas si je suis encore en. Si j'ai encore envie de m'investir énormément dans cet achat. On avait parlé de 350-400 millions pour d'une quasi near perf. Et le truc, c'est que bah, du coup, si j'arrête de PVP et le vol d'encre, bon, j'ai peut-être mieux à faire de mes kamas. C'est un peu dans cette optique aussi que j'avais stacké beaucoup de millions là. Avant mon achat de Green, j'étais à 400 millions. J'avais un peu ça en tête comme achat, mais bon, il n'y a pas vraiment de gros voile PA en vente. Je vais le garder, je pense. Je veux quand même toujours garder un voile PA. C'est quand même toujours bien. Il y a toujours un moment où je vais avoir un perso feu dans une team PVP. Il y aura un voile et il me faudra un PA. Mais voilà, peut-être que je vais quand même le remplacer par un beaucoup beaucoup plus fat. On verra. Pour l'instant, je le garde. Et là, si je devais le mettre en vente, ce serait pas moins d'une centaine de millions. On verra ça. Voilà, on a fini pour les items, mais ce n'est pas fini parce qu'il reste les familles légendaires. Yes! Je vous tourne ça le lendemain de la séquence précédente, enfin de tout ce qui a précédé. J'ai récupéré quelques autres items que j'avais laissés en stock sur d'autres persos et je me dis, bon, allez, je vais les vendre aussi. Là, on a une amulette de l'œil attentif 3% air, un peu meilleure que celle que j'avais en 3% feu. Et comme en plus 3% air, c'est un élément qui est plus recherché que les exorès feu là-dessus, je vais la vendre un poil plus cher que l'autre en 3% feu. Ensuite, on a un masque de Funespadon qui est en G perf sauf les deux neutres. Donc très utile pour du mode haut, notamment. Je l'ai joué sur du Xelor haut au retrait. Encore une fois, la reste distance qui casse un peu le prix de la revente. Mais quand même, la logée est vraiment fat. C'est du brisage PA. Donc il y a moyen que ça trouve quand même preneur. Je sais pas trop à combien je peux le mettre. J'ai regardé un petit peu l'HDV là. Il y a des trucs un peu random. J'avais dû le payer une vingtaine de millions, mais ça va être dur de le revendre aussi cher, je pense. Voire 25. Je pense qu'on va mettre ça, ouais, une vingtaine. Celui-là, c'est typiquement un item que j'ai pas très envie de vendre. Ça peut me servir, et le jour où j'en veux un, je vais être embêté que je l'ai pas un jet aussi propre, mais voilà, le problème, c'est la rune reste distance, quoi. C'est vraiment ça qui casse tout. Je vais tenter 20 millions, mais sans grande conviction. On a ensuite une amulettrine, dommage au sort, moins 2 sagesse. Donc un bon gros near perf là-dessus, item qui est pas hyper dur à faire, il y a du PPA, mais qui est très joué. Et il y a quand même des grosses lignes à faire dessus, bon c'est pas impressionnant, mais ça peut se vendre correctement. Là on a ici un G perf à 15 millions. Bah, sinon, je pense que je vais le mettre 16 millions, 16 ou 17, parce qu'il y a le prix de la transe, mais bon, moi j'ai pas le perf sagesse. Allez, ça part à 16 millions. On a ensuite une cape matelassée, 3% haut, moins de sagesse. Plutôt clean. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du 4% en near perf. Ah, c'est mieux que manger ça. À 7 millions 5. Ah oui, je vais pas aller loin. Et là, on a un perf à 7 millions. Ok, bah, je vais mettre la mienne à 6, je pense, 6 ou 7. Avec un peu de patience. On a ensuite un anneau en Grithril en near perf. Moins de vita, moins de sagesse, réalisé en brisage PA. Bon, le G est clean, mais l'item est pas hyper joué. J'avais fait des expérimentations sur mon Sacrieur avec ce genre de choses. Là, c'est un peu compliqué. Là, il y a un gros différentiel entre le prix de réalisation et le prix de vente. Donc, je pense que ça va partir à 15 millions, mais sans grande conviction. Alors, ensuite, là, j'ai mes magnifiques dagoulinantes G perf arme de chasse trans dommage sort que j'avais réalisé en Forge de Magie sur un stream qui était assez sensationnel, qui m'avait marqué. Énorme item, ça je vais clairement le garder, c'est une pièce un peu collector. Là on a un bouclier d'Illizel, perf dommage sort, bon je vais le garder, ça peut servir. Et pour terminer, on a une alliance Glourson, PA, near perf, qui est comparable à l'autre que j'avais mise à 60 millions. C'est à peu près le même calibre. Bon, je pense qu'elle va partir à 60 aussi en mode marchand. Bon, bah là c'est le moment où il va falloir qu'on regarde en face les sommes astronomiques que j'ai investies dans des familles légendaires que je n'ai jamais jouées. Bah c'est parti. Beaucoup d'impatience du Hobbit pour du PVP 3v3 à Coliseum. Donc l'impatience du Hobbit, ça fait qu'en gros, en colis, vous gagnez 3% de dommages finaux dès le début du combat et vous les avez tant qu'il y a un kill qui va passer, quoi. Et une fois que vous avez passé un kill, il vous reste 1% de dommages finaux. Et bref, et comme la majorité des colis sont pliés quand il y a le premier kill, c'est comme si vous aviez un 30% d'invulnus en permanence en bonus. Enfin, c'est hyper fort. Mais voilà. J'ai beaucoup de familiers, certains qui n'ont absolument jamais été joués. Petite pensée pour l'Hélium, que j'avais acheté pour un sacritaire, mais en fait, je l'ai absolument. Il a fait zéro combat. Je l'ai fait faire sur mesure, migrer, ça fait 2 ans que je l'ai jamais joué.
Bref, on va voir si on peut voir un peu tout ça. La plupart ont été achetés entre 60 et 80 millions d'unités, tous les impatiences du Hobbit là. Espérons qu'on peut retomber un peu sur nos pattes. Ça a été vraiment les pires investissements de ma vie, ces familiers légendaires. Et je peux vous dire que des investissements foireux, j'en ai fait. On va partir sur du 70 millions d'unités, je pense. Donc le Bisouglour 70. Si j'y arrive. Ensuite, le Bosquito. Pareil, c'est Impatience Webbit. Bosquito, c'est pas mal comme, comme familier. Ok, là, il y en a un 45. Je vais le mettre à 60, je pense, ou 55. Je suis pas pressé de vendre, hein, encore une fois. Le Boagder. Le petit Boagder. Les bois qui m'ont beaucoup servi sur de l'Ouginac, notamment. Ok, il n'y en a pas HDV. Boagder, ça part à 60... 65. Le Boag Feu. Est-ce que il fut un jour où j'ai eu tous les Boags dans mon inventaire en impatience du Hobbit? Je vous dis pas oui, mais je vous dis pas non non plus. On a un Doge. Alors le Doge, celui-là, je l'avais trouvé HDV pas cher. Un coup, je me suis senti trop smart à l'acheter en me disant que je vais faire une plus-value de fou. Bon, on va essayer de le vendre en vrai 30, je pense. Ou voire 35. C'est quand même pas mal sur des trucs tanky avec l'écorce de la brachnide. L'hélium. L'hélium. Ça va être du 60, je pense. Hein. 60. Alors, j'ai un Canigloops Rage du Mulou. Ça, éventuellement. Ça peut exister. Écorce à bras. Alors, il y a eu la refonte des familles légendaires il n'y a pas si longtemps. J'ai pas tellement suivi la façon dont ça a modifié les prix. Alors, il y en a un à 19. Ok, c'est un peu sad. On va le mettre à 19. Hein. Aïe. La perte sèche. Cocculte brutage, je vais garder. Ça sert toujours. Cocculte impa. Cocculte impa, tiens. Est-ce qu'on a ça qui traîne HDV? Ouais, il y en a 49. Ah, je pense que je suis calé sur des prix un peu périmés. Mes prix sont peut-être un peu hauts là. Je vais peut-être genre tout baisser de 5 millions. 5 ou 10. Le Cocult, on va le mettre à 50. La chose, c'est comme l'hélium. Ça va être à 60, je pense. Ça, j'ai beaucoup joué sur mon Sacrier R. J'aime beaucoup les familles Vita, Rez. Il n'y a pas beaucoup de gens qui les jouent. Ouais, je pense que je vais baisser un peu tous les prix là que j'ai dit. C'est sûrement un peu trop haut. On va voir ça. Et j'ai ici également un chien tigré, impatience du Hobbit. Très utile pour les modes avec de l'esquive PA. Qui se joue en 12 PA à la place d'un Volcorn. C'est du même calibre, je trouve, que le Bisouglours. C'est vraiment des gros familiers très joués, très méta. Ça part à 65. Pareil, pas pressé de vendre, il n'y a pas de souci. Voilà, on y est enfin. Ça nous fait donc un magnifique mode marchand à 1,62 milliard de Kama. Je vous laisse regarder un petit peu la quantité d'items qu'on a mis en vente. Vraiment, ça régale. Même si j'en vends que un quart ou un tiers, ça va déjà me mettre très très bien en termes de Kama. Il est en 1-1 sur Imagiro, voilà, sur le mode marchand Grifox. Ici, je pense que je vais le laisser là un petit moment, donc si vous voulez aller voir par vous-même les items, prendre le temps de vous attarder sur certains jets, n'hésitez pas à aller voir. Peut-être que je l'enrichirai encore d'autres items, j'ai encore des choses que j'ai gardées de mon côté que je pourrais choisir de rajouter. Je pense par exemple au bouclier, j'ai parfait, trans ou ce genre de choses, ou des gros items que je me suis dit je vais les garder parce que j'ai pas trop envie de les vendre, mais objectivement je pourrais les vendre quand même. Voilà, c'est possible que ça bouge encore un petit peu. Mais on a donc voilà 1,62 milliard de Kama, et à ça on peut ajouter, on va plutôt aller à Suffocat, ce sera plus simple. Ce que j'ai mis HDV aussi, parce que voilà, j'ai rempli aussi mon HDV comme vous avez vu, pour les items un peu plus random, mais ça fait quand même une petite quantité. Et en HDV on a mis
167 millions de Kama. Voilà, bon, un peu de Dofus, quelques gros jets, mais rien de fou non plus. Voilà, bon, ça fait du coup au total. Bah, on n'est pas loin des 2 milliards de Kama, quoi. On est à 1,8, 1,7, 1,8 milliards de Kama. Et finalement, avec ce que j'ai rajouté, on est aux 2 milliards de Kama de vente. Je me mets en mode marchand ici, village d'Amakna en 0-1. Voilà, si vous voulez venir sur le serveur Imagiro, si vous voulez regarder un petit peu, prendre le temps de check les items, et je serais ravi de pouvoir vous vendre quelques beautés. Et j'ai encore pas loin d'1 milliard estimé de tout que j'ai gardé, entre ce que j'ai dans mon inventaire, dans ma DD, etc., etc. Bon bref, voilà, et ça c'est que les items dont je me sers pas qui étaient en stock, hein. Et après il y a tout ce qu'il y a sur mes persos, mais ça c'est encore autre chose. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, de vous faire un petit tour à droite à gauche, on verra ça. Voilà, écoutez, bah j'espère que cette grosse vidéo vous a intéressé, vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. N'hésitez pas aussi à mettre vos avis sur les jets, sur les prix, sur plein de choses, vos réactions. Encore une fois, je dis pas qu'absolument tous les prix de vente que j'ai mis sont en phase avec ce qui va se vendre dans les 48 heures, hein, je suis pas dans cette optique. Là, l'idée, c'est aussi de faire un petit moment de communication sur les items que je vends, qu'il y a un mode marchand fixe avec mes items que les gens puissent un petit peu regarder, me faire des offres, etc., etc. On est sur une approche assez long terme de la vente, là. Je suis pas pressé, j'ai pas besoin de Kama, c'est juste que, voilà, ça faisait longtemps que je me disais, bon, ce serait bien que je vende un peu tout ça, et là, il y avait la conjoncture fusion des serveurs. Qui fait que c'est le bon moment, l'arrivée du Forge Lance, etc., du dynamisme. Voilà, voilà, allez, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver bientôt.